Ces propos, souvenez-vous, sur les femmes ont laissé des traces, mais certaines, vous allez voir, adhèrent quand même à son projet. Léa Nermidjian et Vivien Charrère. Hop. C'est parti, on y va ? Ce soir-là, opération tractage pour ces militants d'Éric Zemmour. Vous faites une équipe vers là-bas ? Et nous, on va rester par ici. Bonjour madame, un petit tract pour Éric Zemmour. À 24 ans, Marie est militante Reconquête. Elle a fondé le collectif Les Femmes avec Éric Zemmour. Pour cet ingénieur, soutenir la candidature du polémiste est une évidence. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être la caution féminine d'Éric Zemmour ? Bah absolument pas. Bon, enfin, y a, c'est comme... il y a un noir, c'est la caution noire. Il y a un prof, c'est la caution prof. Il y a... je sais pas, il y a un agriculteur, c'est la caution agriculteur. Bon, enfin, moi, en tant que femme, j'ai envie de voter pour un homme de conviction plutôt que pour une femme avec laquelle je suis pas d'accord, en fait. Que ce soit Hidalgo, Pécresse, voilà. Un candidat pourtant loin de faire l'unanimité auprès des femmes. Selon une étude IFOP, 66% d'entre elles se disent inquiètes pour leurs droits